Allez dire ça au Covenant. Salut les amis, c'est du hasard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo découverte ou redécouverte sur Grid 2 sur PlayStation 3. Voilà, donc on va refaire quelques épreuves. J'y avais déjà joué. Ici, avant de faire la vidéo, j'ai fait une course pour me remettre un petit peu dans le bain. Et alors j'ai vu qu'on savait refaire les courses qu'on avait déjà faites auparavant, donc je vais commencer par celle-là pour cette vidéo découverte. Yop. Donc épreuve. Tu veux te rendre tes progrès, tu peux consulter la chronologie et retenter n'importe laquelle des phases précédentes. Tu n'obtiendras pas plus de fans, mais c'est un bon entraînement. Ok. C'est ce que je viens de faire juste avant la vidéo. D'ailleurs, j'ai même eu, je viens même d'avoir un trophée. Retour dans le temps ou je sais pas quoi là. Donc on va faire ça. Et la course Californie Pacifique, ouais. Et on va prendre la Ford Mustang. Encore un excellent jeu que j'avais laissé de côté, j'avais commencé et pourtant vous allez voir, il y a de très très grandes qualités. Au niveau maniabilité, ben après un long temps sans y avoir joué, la première course je me suis assez bien débrouillé on va dire. Et graphiquement vous pouvez le constater, c'est super joli. Tu pourrais faire des tonneaux en cas d'accident. Voici Harrison Carter. Sois prudent si tu dépasses ce pilote. Il n'hésitera pas à jouer des coudes. Un petit côté scénaristique assez bien foutu. Les véhicules sont assez grands et tout. Franchement, c'est l'un des meilleurs des États-Unis. Termine très bien fait pour attirer son attention. Ok. Moi qui ai le plus l'habitude avec les manettes Xbox pour les jeux de course, ici franchement on l'a vite de nouveau en main. C'est pas pour ça que je vais finir d'office premier parce que je suis pas non plus un pilote comme on dit. T'y es presque. Allez, va lui piquer sa place. Les feuilles, les petites taches là sur l'écran, comme si la caméra était sale et tout, c'est excellent. Franchement, les reflets de soleil, regardez-moi ça. Comme quoi, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais il y a encore moyen de super bien s'amuser sur les consoles classiques. Pour ceux qui n'ont pas de console dernière génération. Allez, 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 allez. Au coude à coude, deuxième, mais c'était sûrement à quelques centimètres. Alors je suis content de moi. 508 et 534, là. Peut-être vous montrer un petit replay. Même les replays sont de la gueule, regardez-moi ça. Ces effets de soleil dans l'écran et tout, ces filtres graphiques et tout, franchement, chapeau. Donc évidemment, le jeu existe également sur Xbox 360. D'ailleurs, si un jour je le trouve en occasion à bon prix, je me le chopperai aussi sur 360.
Fred, si tu regardes cette vidéo, c'est un jeu qui pourrait te plaire. Comme toi, tu n'aimes pas les jeux de course avec des mondes ouverts. Ici, c'est rien que des circuits enchaînés, donc... Le circuit est tracé... pas besoin de se balader pour trouver les courses et tout, donc... Creed 2, si tu arrives à le choper sur 360... N'hésite pas. Même les replis, franchement, sont excellents à regarder. Ah là, c'était serré, hein. Wow. Allez, quitter, c'est où? Retour. Continuer. Allez, puis chargement. Alors ici. Ah non, ça va le faire aussi. Il y en avait plusieurs là. Il y avait celle-là. Face à face. Ah, il y en a quand même un bon petit paquet. Hein. Donc c'était, on va prendre la course Chicago Marina City. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme véhicule? Mm-hmm. On va essayer celle-ci. La Nissan faire les 17 à moins que... Ouais, on va essayer celle-là. Allez, allez. Les rues de Chicago sont perpendiculaires. Fais attention aux angles à 90 degrés. Garde un œil sur ce pilote aujourd'hui. C'est ton principal rival. Ok. Les conditions sont réunies pour faire la course parfaite aujourd'hui. Franchement, il est excellent. Ça c'est très immeuble. Allez, va lui piquer sa place. Te voilà dans le top 3. Ça c'était joli, hein. Purée. Encore 3 tours. Je sais pas si vous avez remarqué aussi l'effet quand on se cogne. C'est comme si la caméra elle déconnait un peu quoi. C'est super bien fait aussi. Elle lui coupe la chique. Reste en tête. Ouais, Fangio. C'est ton nouveau record personnel. Ah bah dis donc.
temps, je viens de m'y remettre et je fais encore un record. Donc vous voyez à quel point il est accessible. Wow! On entend même les personnes crier dans le public, là c'est excellent. Il faut jouer du frein à main. C'est... Seul dernier tour était en tête, ça s'annonce bien. Avec le métro là qui passe. Ambiance pure Chicago, hein. Et le style graphique du jeu, franchement, il est excellent. C'est... Là, je joue, je prends du plaisir. J'ai l'impression que je viens de m'offrir la PlayStation 3 et je kiffe. Yeah. Bah, par contre, la bande de la caisse. Super. Si on arrive à signer New Union, d'autres clubs vont forcément s'intéresser à nous. Allez, on continue. Yep. Introduction en scène vidéo face à face Chicago. C'est la même course. C'est un duel en fait, donc on va penser encore ici un duel. C'est un drive, on va peut-être prendre celui-là pour changer de décor. Ouais, on va faire aussi un drive à Miami. À Miami, c'est fini. Ah, t'es connerie, Joe. Le trajet est complexe à Miami. Tu peux te laisser surprendre par les changements soudains. Alors sois prudent. Aïe, regardez-moi ça, c'est décor. On va sûrement le dire à chaque circuit. Franchement, cette maniabilité est excellente. C'est du pur bonheur. Donc si vous n'avez pas ce jeu et que vous aimez les jeux de course, franchement, je vous le conseille, vous pouvez aller acheter les yeux fermés. Plein d'animations dans les décors, c'est fou. Yes! Ah, je pensais qu'il y avait plus qu'un tour. J'étais juste derrière mon cul. T'as fait une course grandiose. Bravo. Merci, Albert.
Allez, allez. Fais attention aux intersections, il ne faut pas finir dans les barrières. Ah ouais, il fallait le faire plusieurs fois juste. Dans cette voiture, tu vas passer beaucoup de temps à déraper. Profites-en pour prendre de l'élan en sortie de virage. Wow. Oh, oh. Oh punaise, le kiff. Des hélicos, des avions, franchement ça te kiffe. Il manque plus qu'un héros. Et un petit patapon. Yes. J'ai été ébloui par ta performance. Quelle leçon de pilotage. Hey. Eh ouais, mec. Allez, je suis chaud là, comme une patate. Ouais. Prochaine course. C'est qui là dans le fond qui a dit ouais, Joe, t'es une patate. Fais-y gaffe. Les routes de Miami sont en dévers, alors fais attention à l'équilibre de la voiture. Mais c'est du pur bonheur, les gens. Auto, oh putain, putréfaction. Ah merde, ah ben on peut rembobiner. C'est un réflexe de... Merde, c'est trop loin alors. C'est un réflexe de... d'un autre jeu. Et ça rembobine aussi. Par contre, ici, on peut rembobiner et arrêter quand on le désire. On ne rembobine pas d'office. Ça, c'est chiant dans les Forza quand tu rembobines. Des fois, ils rembobinent trop loin, plus loin que ce que tu ne voudrais. Ici, ça va, on peut le stopper. Yes! Allez, on continue. Petit challengement. Alors, est-ce qu'on fait encore une au-dessus ou on va découvrir un peu là-en-dessous? Série de course, c'est faux. Série face à face, motor, m'avance. Série de course, du manche. Introduction, endurance. Qu'est-ce qu'on va faire? Série face à face. Dans la même. Allez, on va faire ça. F1
face à face dans... Sois nerveuse. Fais attention. Ok, ok. Putain, elle me bloque le passage à le troufion. Allez, croisons les orteils. Non, pas comme ça. Et bien refermer la portière, s'il vous plaît. On est concentré. Allez. Elle est encore loin. Ah, je vais paniquer, l'autre il a mon cul là. Ah, c'est ainsi que je me torche moi quand je vois qu'il y a la flèche qui est juste derrière moi là. Je panique et alors fait une bourde, voilà, j'aurais pu me retrouver au fond du ravin. Allez, 23 minutes, on peut peut-être encore faire une petite course. On en fera une vidéo d'une petite demi-heure. C'est la Californie. Essaie de profiter de tout l'espace pour éviter un accident. Ah ouais, mais il faut faire en trois fois, c'est juste. Bon, bah on va achever donc cette série. Concentre.
là 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 là. Salaud. Joue la roupette. J'ai été ébloui par ta performance. Quel loup. Allez, la finale. Le deuxième tronçon t'a déjà posé problème. Travaille là-dessus. T'as remarqué? Si je m'écouterais, je mettrais bien la vue interne. Oh non, là c'est rembobiné du trou du cul. Elle est où la vue? N'importe quoi. Ah, par contre, je vais rembobiner parce que. Pas de direction non plus. De me mettre dans le décor. Mais c'est sans compter sur les talents de pilote du hasard. Et voilà. Et belle victoire encore. Yo yo yo. Voilà. Ben,
Je pense qu'on va arrêter là. Ça fait quand même une demi-heure. Donc, je pense qu'on va arrêter là, les amis, donc pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'acquérir ce jeu. Parce que franchement, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais testé au début, puis après je l'ai laissé. Et franchement, c'est toujours agréable de retourner dessus, même après autant de temps. Et c'est un jeu qui est très beau, très maniable, très fun. Donc, un excellent titre à posséder, que ce soit donc sur PlayStation 3 ou sur Xbox 360. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.